Eh bien bonjour, encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Nous arrivons avec notre module de formation. Nous allons vous parler de Taipei 101, le gratte-ciel Taipei 101, comment vous pouvez modéliser ce gratte-ciel avec Revit 2020. Et puis, si on essaie un peu de remonter dans l'histoire, on savait très bien que ce gratte-ciel a été construit vers les années. A été construit vers les années 99, je crois, bien à 2004. Je crois, et puis à part ça, il a 5 étages avec 5 sous-sols et 61 ascenseurs. C'est le deuxième plus grand gratte-ciel existant au monde. Il est tout le plus grand au monde de 2004 à 2010, juste après la destruction du World Trade Center, qui était le gratte-ciel le plus haut du monde. Et pour votre information, Taipei 101 fut le tout premier gratte-ciel à avoir atteint un demi-kilomètre d'allure. Donc il a une hauteur de 5 à 8 mètres. Vous savez très bien que cette forme ici que vous voyez de ce gratte-ciel a été conçue pour faire face aux typhons et aux séismes fréquents dans l'Asie du site Est ou l'Asie du Pacifique. Donc comme vous voyez là, nous allons vous montrer comment vous êtes en mesure de modéliser ces tours ici. Encore la personne qui vous présente cette session, c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est spécialiste technique des solutions Autodesk. Et pour le génie civil et votre domaine de la construction, nous sommes basés en République démocratique du Congo. Nous sommes des partenaires Autodesk et en République démocratique du Congo. Vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter via nos différents canaux qui sont juste là en bas. Et bien, sans plus tarder, nous allons commencer les choses. Eh bien, avant de commencer, nous allons aller ici. Et comment on a fait, nous allons. Je vais supprimer tout ça. Nous sommes dans cette élévation est. Je vais mettre la commande LL. Et puis là, maintenant, je vais créer un niveau. Et ces niveaux-là, je vais les nommer. Je les nomme level 2. Eh bien, c'est level 2 et je vais mettre 4 et ici. Et maintenant, je vais mettre 130. Arrivé là, maintenant, à partir de là, je mets la commande LL pour créer des niveaux. Je vais mettre en 5. Je vais là. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. On a 410. Arrivé là, maintenant je vais aller dans level 1. Niveau 1, je vais créer et les volumes in situ. Volume in situ. Voilà. Et arrivé là, maintenant je vais créer le plan de référence où je peux taper la commande RL, RP, Reference Plan. Et voilà. Ici, je peux juste le prolonger, et là-bas aussi je peux juste le prolonger. Arrivé là, qu'est-ce que moi je vais faire? Arrivé là, maintenant je vais créer, je peux nommer directement ça, je mets X, et ça je mets Y. Arrivé là, maintenant je crée mon triangle, je vais créer mon triangle. Arrivé ici, et sur mon triangle, là, je vais mettre 40. Arrivé là, et je vais mettre 40. Arrivé là-bas, je vais mettre 80. Arrivé là, je vais mettre 80. Et arrivé là, comme ça, et comme ça. Après, ça. Je supprime ça, je mets ça, et voilà mon triangle est là. Maintenant, à partir de ce triangle ici, à partir de ce triangle ici, je vais aller dans 3D, et à partir de 3D, je vais faire une copie de là, niveau D, arrivé là-bas, je vais aller dans vue en plan. Niveau D, il est là-bas.
Maintenant, arrivé à ce niveau D, à ce niveau ici, maintenant je vais créer un autre plan, mais niveau D avec un décalage de 10. Et puis je vais créer une barre d'espacement pour faire ce décalage à l'intérieur. Et voilà, arrivé là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un autre décalage, mais cette fois-ci ce sera un décalage de 1 mètre, je crois, à l'intérieur. À l'intérieur ici. Et voilà, arrivé. Et puis arrivé là-bas maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Je compte jusqu'à 10, je crois. 10. Et puis là, 14, je crois. Ok, arrivé là, je cherche les milliers. Et puis par après, je fais ça. J'ai fait ça et puis j'ai fait ça et puis j'ai fait ça. Après ça, je supprime ça, je reste avec ça. Je fais ça, je fais DM, copie miroir à l'axe. Voilà, et puis je sélectionne les dés. J'ai fait MM, copie miroir, sur cet axe ici. Et voilà. Et puis par après, j'ai fait la commande TR. Je fais ça avec ça. Sorry. Et je fais ça avec ça. Je fais ça avec ça. Et je fais ça avec ça. Oh non, excusez. J'ai fait ça avec ça. J'ai fait ça avec ça. J'ai fait ça avec ça, j'ai fait ça avec ça, et j'ai fait ça avec ça, non, pas là-bas, mais ce sera le contraire, ça avec ça, sorry. Je fais ça avec ça, voilà, et ça, je peux juste l'amener là-bas. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais faire, je vais prendre ça et je vais aller dans DD, je vais faire une copie et puis coller et niveau 3. Et puis je vais aller dans niveau 3, je vais sélectionner et dans niveau 3, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Dans niveau 3, je vais sélectionner cet élément. Je mets la commande RE pour l'échelle. Cette fois-ci, je vais mettre sur numérique. Je vais mettre à 1,2 et puis je vais cliquer sur milliers. Et voilà. Après avoir agrandi ça, je vais aller dans 3D. Et dans 3D, je vais prendre cet élément, je crois. Ça. Je dois supprimer ça. Je vais prendre ça. Et cet élément ici. Je vais créer une forme. Voilà. Et puis je vais prendre ça. Avec ça, je vais créer une autre forme. Vous voyez? Maintenant, après ça, je vais aller dans Est. Et dans Est, qu'est-ce que je vais faire? Élévation est, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Je vais prendre cette sélection ici. Je vais mettre une copie. Voilà. Je vais mettre une copie multiple de là jusqu'à là. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Maintenant, arrivé là, je vais aller dans 3D. Voilà notre modèle.
Qu'est-ce qui me reste après avoir créé ça? Maintenant, je vais aller dans élévation nord. Nord. Voilà, je vais aller dans élévation nord. J'ai fait ça. Et à partir de l'élévation nord, je vais créer un cercle. Ce cercle-là, je vais prendre X, le plan des références. Je vais là, je vais mettre un diamètre de 10. Et puis par après, je vais créer une forme. J'ai créé une forme. Je vais aller dans 3D. On va créer ces éléments ici. Attends. On va créer ces éléments ici. Nous voulons créer ces éléments ici. C'est ce que nous voulons faire. Et puis, on va rentrer là. Et puis, là, je vois se décaler là, vers là-bas. Là-bas, je peux mettre, par exemple, 70. Pour voir, c'est beaucoup. On peut réduire ça. On peut mettre 45 au moins. Et là-bas aussi. On peut mettre aussi 45, ça fait mal. Donc 90. Voilà. Donc on a ça. Et puis je vais aller maintenant dans. Peut-être dans ici. Oh là là. Nous allons pouvoir déplacer les élévations. Et maintenant, arrivé ici, nous allons choisir et la direction sud, je crois. Non, la direction est à ouest. Arrivé là, je vais changer. Et plan des références, c'était X, mais quand vous cliquez sur X, vous voyez, nous allons changer de plan des références, nom de référence, je vais mettre Y, et à partir de Y, je vais là, je mets 10, et puis par après, j'ai créé ça. Je vais là, et voilà. Ici, et je vais mettre 45 et arriver là, je vais sélectionner ça et puis là, je vais mettre aussi 45, donc c'est, je vais mettre aussi 45, je crois. Alors ça doit être 90. Voilà. Après avoir créé ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Après avoir créé ça, ces éléments ici, je vais aller là, au dernier niveau, level 10. Et à partir de level 10, je vais créer. Non, je dois d'abord créer des levels ici. Voilà. Et bien, je vais aller là-bas. Je vais mettre la commande LL. Elevation, donc je dois d'abord fermer ici et puis je vais mettre la commande LL. Je vais aller là-bas et là je dois mettre 6 et puis je mets la commande LL. Je fais un décalage là-bas, je mets 40, je crois. Après, je mets LL, commande, je mets décalage des 4. Voilà, un décalage des 4. Et puis maintenant, je vais aller dans level 10. Je vais dans level 10, je vais faire VR.
Visual Ranger sans limite. Voilà. Et voilà. Attends. Visual 10, je crois. Voilà, Visual 10. Et je vais là, je vais modifier les formes. Voilà, arrivé là, qu'est-ce que je vais faire des volumes? Nous allons attacher tous ces volumes. Voilà. Voilà. Après ça, je vais aller là. Niveau 10. Maintenant, à partir des 10, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un cercle. Non, une dimension plutôt. Une dimension. Et une dimension. Je vais créer une dimension. À la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez être en mesure de faire la suite. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.